Donc je suis Cédric Bonin, producteur de films et de projets transmédia à Sepia, à Strasbourg, en France. Alors je m'appelle Stéphane Bitoun, je suis français, j'ai 41 ans et je suis directeur général de My Major Company. Voilà, et j'ai officié depuis une quinzaine d'années maintenant dans l'entertainment, puisqu'avant ça j'étais CFO de Next Radio TV et de Endemol en France. Voilà. Et donc, pour me présenter, je suis chef monteur. Est-ce que votre bagage d'école de commerce vous sert en tant que producteur ? Il faut savoir que tous les gens qui sont en production à la FEMI, sont dans le secteur production, sont beaucoup de gens qui sont sortis d'école de commerce avant, ou de Dauphine, de formation financière, etc. Donc bon, c'est sûr que ça apprend, disons, une culture. Enfin, je veux dire, à un moment, avoir une société de production, c'est gérer une entreprise quand même. Aujourd'hui, vous êtes dans le participatif ou pas dans le sens inverse, c'est-à-dire on élargit. C'est une excellente question. Je pense qu'en fait, c'est une question de cycle. C'est-à-dire que nous, on a démarré par la musique, et ça a du sens parce que la musique précède souvent les autres secteurs de les autres territoires de la culture. Et puis nous, ensuite, on s'est ouvert à quelque chose de plus général. Je pense que les États-Unis, à côté, c'est un pari que je m'occupe, mais à côté de Kickstarter, qui est comme ça très général, il y a certainement des petits sites qui vont pop-upper ici et là, qui vont être très spécialistes, parce que justement, un des reproches qu'on se fait avec Kickstarter, c'est comment moi je fais pour exister dans cette forêt de 40 000 projets. Comment vous financez vos œuvres et quel genre d'œuvres vous produisez et comment vous les financez? Alors, on produit plutôt du documentaire. Oui. Principalement, on va dire, mais on essaye maintenant d'autres choses. On fait aussi du webdoc, on fait des expériences interactives. On a produit une première série, une shortcom, une série régionale humoristique sur l'Alsace, qui est assez sympa, qui est en diffusion en ce moment. Je préfère travailler sur des choses hybrides qui peuvent être un peu inspirées, enfin, des fois avec des vrais gens, mais qui sont mis dans un rôle de comédien, enfin, brouiller les pistes, je trouve. Je trouve que d'explorer les genres, en fait, c'est plus intéressant. Oui. Mélanger de l'animation avec du documentaire, mélanger la fiction avec du documentaire ou vice-versa, ça m'intéresse. Oui. Mais de la pure fiction, pour l'instant, pas forcément. How much is this one? The average configuration, about 140,000. Quel conseil vous donneriez à tous les étudiants qui sont futurs producteurs pour gérer leur campagne? La gestion d'une campagne sur Internet, ça passe par deux mots essentiels. Deux mots qui se rejoignent dans la langue française, comme et comme, communication et communauté. Voilà. Donc il faut communiquer, et encore communiquer, c'est jamais assez, par tous les biais qui existent, mais c'est les réseaux sociaux et c'est aussi les lieux sociaux. C'est-à-dire qu'un café, c'est un très bon endroit pour parler de ce projet. Ouais. Ça, c'est de la communication et de la communauté. Et puis c'est aussi écouter les professionnels que nous sommes dans la gestion et dans le paramétrage d'un projet. Il y a quelques règles à respecter. Comment vous ressentez les choses, vous qui êtes au cœur comme ça de plein de projets, vous voyez beaucoup de choses passer? Pour pas de l'industrie au sens général, pas de My Major Company en particulier, lorsqu'on voit qu'à Sundance, entre 10 et 20% selon les années, des films qui sont présentés ont de près ou de loin à voir avec le financement participatif, c'est juste extraordinaire. Lorsqu'on voit Innocent, qui est un documentaire qui a été primé aux Oscars, vient du financement participatif, c'est extraordinaire. Lorsqu'on voit Irma, qui est choisie par Google pour illustrer sa publicité en France, et ce sont des millions d'euros d'investissement publicitaire pour parler de cette aventure participative, de cette dimension affective, c'est extraordinaire. Comment ça marche, les méthodes de financement, si on est détaché du casting? Deux solutions pour le documentaire. Le 95%, je pense même peut-être plus 97% des documentaires produits en France, c'est avec le financement de la télévision, pour des diffusions de télévision. Oui. Après, les 3 à 5% restants, ça peut être des documentaires cinéma. Et vous faites jamais appel aux institutions publiques, CNC, régions? Si, non, évidemment. La première partie, c'est la chaîne, mais comme tout le système de financement est basé sur l'accord d'un diffuseur, l'accord d'un diffuseur déclenche du CNC, déclenche éventuellement la possibilité d'avoir les régions. Donc si vous n'avez pas de diffuseur au départ ou un distributeur salle, c'est la même chose. Si vous n'avez pas une garantie de diffusion ou de distribution, vous n'avez pas de financement. Et du coup, c'est à partir de combien de productions qu'on est à l'aise avec une chaîne télé, qu'on commence à avoir jamais un réseau?
Jamais, jamais. Non, enfin, j'exagère, mais disons... le mythe du... alors, bon, je pense que... Non, le mythe du rond de serviette à la table des chaînes de télévision, ouais. Il n'existe pas vraiment, quoi. Ouais.